Les bienfaits du jeûne sur l'organisme. Le jeûne a été, durant ces dernières années, considéré comme un moyen de maigrir vite. Mais ses avantages vont au-delà du régime. Les bienfaits du jeûne sont nombreux et depuis des siècles, il a été utilisé comme un moyen thérapeutique. Il a également été appliqué à plusieurs concepts, la thérapie, le régime, la religion. En quoi consiste le jeûne? Le jeûne est le fait de se priver de nourriture. Il existe plusieurs types de jeûne. Le jeûne complet, il est question de se priver complètement de nourriture, peu importe sa nature, liquide ou solide. Toutefois, l'eau est exclue. Le jeûne hydrique, il consiste à consommer uniquement que de l'eau. Le jeûne modifié, il s'agit d'une consommation basée sur un seul type d'alimentation. Ces trois types de jeûne ont chacun un objectif. Les bienfaits du jeûne sont multiples, mais il est important de respecter certaines règles. Les principaux bienfaits du jeûne. Pour ce qui est du domaine de la santé, les bienfaits du jeûne ont déjà été constatés depuis des siècles. Ce fut une méthode très utilisée pour ses vertus thérapeutiques, mais qui a été délaissée. Actuellement, il revient progressivement. Jeûner pour commencer une alimentation saine. Le jeûne est un moyen très efficace pour commencer une alimentation saine. Il permet en outre d'apporter un peu de répit au système digestif, qui est souvent victime d'une mauvaise alimentation. Il donne la possibilité à l'organisme de se détoxifier. Le pancréas et l'estomac se reposent le temps du jeûne. L'intérieur de l'intestin et le foie sont revigorés. La flore intestinale en tire profit également, car elle se revigore. C'est un bon commencement pour une alimentation saine. Jeûner pour éviter la dépression. Un des bienfaits du jeûne est son effet antidépressif. En faisant un jeûne, et laissant le temps à l'organisme de se reposer, celui-ci produit des changements au niveau du sang et des hormones. L'organisme sécrète de la dopamine et de la sérotonine. Ces deux éléments permettent au corps d'avoir une sensation de calme, ainsi que de plénitude. Jeûner pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Le jeûne est efficace pour prévenir l'hypertension artérielle. C'est d'autant vrai lorsqu'il s'agit de jeûne hydrique. La tension artérielle est ainsi stabilisée. Il agit également sur la perte de poids, qui a plusieurs effets bénéfiques. Une diminution des trois éléments suivants est constatée, les triglycérides, l'insulinémie, le cholestérol LDL. Cela réduit considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Depuis 2011, certaines recherches ont permis de mentionner que le jeûne permet d'améliorer la lutte contre certains cancers comme le cancer du sein. Il a été constaté que celui-ci limitait la progression de certaines tumeurs. Accouplé avec la chimiothérapie, les chercheurs ont également remarqué que sur les cancers comme le mélanome, le gliome ou le cancer du sein, le jeûne permet au traitement d'être plus efficace. Bien que ces résultats proviennent encore d'un échantillon de patients, cela constitue déjà un espoir pour la lutte contre le cancer. Pour davantage de conseils santé, rendez-vous sur notre site internet.